Ông quý chủ. Ông chuẩn bị gặp cả tòa các trạm đài can để tiếp thị tham nhạc ca hay bắt đầu các chuyên từ thạ miền tây an trạch chiết ca về cái đầy lục ở khu sầm phón là bởi miền ngọc ca mình tòa ca tăng sầm nút đỉnh đầu chụp bộ nhẹ dầm nền. Merci, Monsieur le Président. Nous avons, Monsieur Ysa Osman, évoqué un certain nombre de fois la méthodologie de votre travail et aussi la méthodologie qui a cours au CDCAM. Je vais revenir un petit peu plus précisément sur certains passages de votre ouvrage, mais je voulais vous faire réagir à une partie d'un rapport de Henri Locard qui évoque la question des méthodes du CDCAM et notamment sur la question des chiffres. C'est un rapport document E3-26-4-9 ERN en français 00-6-1-4-1-1 ERN en anglais 00-2-08-3-9-5 et ça se poursuit sur la page suivante. ERN en Khmer 00-6-6-0-5-9-8. Pour être complète, il s'agit d'un rapport qui a été établi sur l'ancienne région nord, le Kampong Cham, sur les zones secteurs 41 et 42, et c'est des enquêtes qui couvrent la période de 93 à 2005. Il dit ceci plutôt. Lorsque j'ai demandé si les chiffres fournis par le DCCAM étaient fiables, entre parenthèses, 32 690 victimes et 467 fausses, il a répondu que le nombre exact qu'il a vérifié était de 39 007 plus 1, car il a été témoin de la dernière personne exécutée. Le total était donc de 39 008. Il ne sait pas pourquoi autant de personnes ont été tuées. Et là, Locard fait ce commentaire. Il s'agit bien sûr de chiffres extravagants de la République populaire Cambodgienne prescrits par les autorités au début du régime. Ils n'auraient jamais pu être aussi précis que ce que nous avons su, que toutes les archives ont été détruites et perdues, principalement par ignorance et négligence, car il paraît que les autorités n'avaient été en rien responsables de leur disparition. Typique de la recherche du DCCAM, leurs jeunes chercheurs inexpérimentés ont simplement pris note des chiffres de l'époque de la République populaire de Kampuchea et peut-être n'ont-ils jamais mené d'enquête indépendante. Fin de citation. Je voudrais vous faire réagir à ce commentaire de Henri Locard qui critique effectuer leurs recherches et tirer leurs sources. Merci, monsieur le président.
ដែរឬទេកងកម្លាំងតន់ឆ្លើយតបលោកអឺអ៊ីសាអូស្មានសូមចេញលោកចក្រមសំមកឡើងវិញ Oui, merci, Monsieur le Président, et je parle sur le rôle de la justice, mais il me semble que ces chiffres concernent directement le centre de la guerre de Wat ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា លោក ស្រី បាន និយាយ មិន ទេ តែ សូម បញ្ជាក់ ចំណុច នេះ មេធាវី បាទ សំណួរ ខ្ញុំ នោះ ចោទ ទៅ លើ តួ លេខ ជាង ទេ ខ្ញុំ ការ ថា ស្បាយ ចាក់ តុង តួ លេខ ដែល លោក អរិ លោកា បាន ធ្វើ ការ រិះគន់ ទៅ លើ វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ ស្រាវ ជ្រាវ លោក ចៅ ក្រម ខ្ញុំ សូម អរគុណ លោក ចៅ ក្រម បាន ឡើង បំភ្លឺ បញ្ជាក់ នេះ Lúc xảy ra xung đột nhóm về miền lệ cả nã tu tơ mình tích vì pro ca sau chỉ điều bọc nhóm cứ bắt đầu sầm khán vì từ lớp bảy hai chút chút chạm hai nhóm hai máu bùng phư nơi ông sau nã ca ní có ông pi bảy hai chút chút chạm bắt tay lúc xảy chọt sầm núa đại lục hoàng đi lục cá cọt bri côn từ nơi từ lớp vị thị xa ໃນການສ້າງຊື່ຕູ້ໂຕລະບົບມະຈໍາດົນອາຍສາກຳປູເຈຈັ່ງຂ້ອຍຄິດຖ້າສຳນວນນີ້ກູ້ຕາເລືອກຕາສູ້ນິຍົກມະຈໍາດົນອາຍສາກຳປູເຈຕໍາຖືກຈຽງສູ່ໂລກພວກນີ້ໂລກຍິນະໄຊຊິວຕາປະຕິກຳຢ່າງໃດມະໄດອັນປີການຣິກົນໂຕລະເລກອັນປີພຽບກົມສ້ອຍນັງຄີຄີຂອງ អញ្ញាធរនេះគេចង់និយាយថាបញ្ហាទូរលេខទាំងឡាយដែលបានកំណត់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលមកយកមកដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងឬក៏នៅប្រជាមណ្ឌលនឹងគឺវាមិនពិតហើយតើលោកប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទូរលេខដែលហងរីដូកាបានបង្ហាញនេះតើវាសមហេតុផលទេឬក៏វាមិនត្រឹមត្រូវទេឬក៏វាត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងណាហើយវាមិនត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងណា យើងបានជម្រាបហើយមិញថាលោកអាចឆ្លើយបានលោកឆ្លើយហើយឆ្លើយបានទៅមុខទៀតលោកមិនអាចរុញអ្នកស្ថានភាពនេះឲ្យទៅអ្នកផ្សេងបានទេណងនាមជាអ្នកត្រូវឆ្លើយគឺមានកាតព្វកិច្ចត្រូវឆ្លើយមិនឆ្លើយរុញឲ្យទៅអ្នកផ្សេងឆ្លើយទេមានការសំណួរផ្ទុញយើងមកប្រាប់ហើយមិញប្រភេទសំណួរច្រើនណាស់ដែលគាត់បីត្រូវរៀនសូត្រអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការសួរដេញដោលតាមផ្លូវតុលាការ ចេញពីសាលាក្តីនេះសម្រាប់យកអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសតុលាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាថ្ងៃអនាគត Monsieur Ysa Osman, avant que vous répondiez peut-être j'ai commencé mon interrogatoire en posant des questions de méthodologie en vous référant à un document du CDCAM qui figurait en fin de votre ouvrage Kuba, où on parle du CDCAM. Vous-même, vous avez indiqué que vous avez appris sur le tas, notamment en recourant à la méthodologie qui a été établi par le CDCAM. Donc, quand je parle des critiques qui sont portées globalement par Henri Locard sur cette méthodologie, notamment en matière de chiffres, je voudrais vous faire réagir pour savoir est-ce que vous avez déjà entendu de telles critiques et qu'est-ce que vous auriez notamment à répondre puisque je vous ai également posé antérieurement des questions sur vos choix de recherche qui pouvaient éventuellement amputer votre réflexion. Là, Henri Locard fait une critique en expliquant qu'il y a un manque de vérification de choses au niveau des chiffres et qu'il y a parfois des chiffres qu'on prend pour argent comptant. Donc ma question, c'est de savoir
Est-ce que vous avez une réaction particulière, évidemment en lien avec votre travail en tant que chercheur ហើយបើក្រៅពីសាក់សីយើងមានឯកសារផ្សេងៗទៀតយោងដែលឯកសារពីចំនួនលន់នល់ឯកសារពីចំនួនសង្គមរៀននិយមដែលនៅសេសសល់យើងធ្វើការយោងហើយបើសិនជាឯកសាហ្នឹងមានភាពលំអៀងដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះជារឿងរបស់ឯកសាដូចសាក់សីដែរជារឿងរបស់សាក់សីដែលគាត់និយាយពន្លឺមិនមែនជាបញ្ហារបស់ឈាមរលឯកសាទេ Et sur la question particulière des chiffres et des documents fournis par des informations fournies par la République populaire de Cambodge, est-ce que vous avez une réaction particulière à savoir que après la chute du régime de Cambodge démocratique, un nouveau régime politique s'est installé, il y a des discussions qui sont posées sur la communication qui a été faite autour de ce qui s'est passé au niveau du Cambodge et des documents officiels qui ont été, éventuellement publiés à ce moment-là. Est-ce que vous avez vous-même consulté des documents de la République populaire du Cambodge pour Savez-vous, est-ce que vous avez le souvenir de la date à laquelle ces documents ont été rédigés? Il n'y a pas de souci, effectivement, c'est une vérification que je peux faire moi-même. Une autre question par rapport à la République populaire du Cambodge. Vous avez évoqué avec mon confrère hier Matli et
Vous avez évoqué un petit peu son parcours. Vous l'avez indiqué également avoir interrogé dans le cadre de vos entretiens avec le, dans le cadre du CDCAM. Est-ce que vous vous souvenez des différentes fonctions qu'il a occupées sous le Cambodgia démocratique? But Matlini Kuchia come up bal manet come up bal mean tanachi net the gnom, no knong srop, the bong mum, cat, kapung cham, canon. I tanak gnom chicken at srop, no mean by net. Chang canon chum now by net, no mean quat manet. Je ne sais plus, je crois que c'était en réponse aux questions de M. le juge Lavergne. Vous avez indiqué qu'il était secrétaire de district. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a occupé en 78 avant quitter le régime? Est-ce que vous vous souvenez qu'il a occupé le poste de chef adjoint du district de Bang Mum? លោកនៅចាំទេថាតើគាត់មានកាន់តំណែងជាអនុលេខាស្រុកត្បូងឃ្មុំដែរឬទេ? Est-ce que vous pouvez rappeler également à la Chambre le poste qu'il a occupé par la suite, après la chute du régime, dans le cadre de la République populaire du Cambodgia? ខ្ញុំចាំថាគាត់មានតួនាទីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនេះការចងចាំផ្ទាល់របស់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំមិនបានស្រាវជ្រាវអំពីតួនាទីរបស់គាត់បានជាក់លាក់អីទេហើយប៉ុន្តែគេបងប្អូនទាំងបងប្អូនចាមបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេស្គាល់ថាគាត់ជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជាតំណាងជនជាតិចាមទូទាំងប្រទេស Dans un document que nous avons dossier, document E3/5555, qui, je crois, n'existe qu'en anglais, qui s'intitule « Ethnic groups in Cambodia », à l'URN en anglais 00489-3488. Il est mentionné que... As noted above, this gentleman had been a Khmer Rouge defector and an important figure in the PRK as a prosecutor in the tribunal which tried Pol Pot and Yang Sari in absentia. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce poste qu'il a occupé de procureur dans le cadre de ce procès in absentia?
bạn nhom khơi chung quạt nơi nông ai cả xa đây cả cắt tu bột bột yên dưới cái đó chúng em chặt sập bùn này đấy miền chung quạt mà nẹt đấy còn tại trong tu này thì ở với chục bác nhom mặt bàn chạm chục bác loạt thì Je reviendrai un petit peu plus tard à Mathilde et une autre figure de la communauté Cham. Pour le moment, je voudrais revenir à une partie de votre ouvrage, et notamment donc, The Cham Rebellion, plus précisément, et notamment un passage sur lequel vous avez déjà eu à effectuer des commentaires dans le cadre de l'interrogatoire de Monsieur le juge Laverne. Et le passage qui m'intéresse, qui doit se trouver dans votre pièce. Je crois que c'est le premier classeur, oui, à la cote numéro 5. Donc le document question est le E3-26-53 à l'URN en anglais, 00-21-91-76. Et c'est une évocation d'un télégramme qui lui-même a la cote E3-511. Et répondant à Monsieur le juge Laverne, vous avez indiqué qu'il y avait effectivement dans votre ouvrage une erreur, et je vais peut-être citer le passage en question en anglais. Vous parlez donc d'un télégramme et vous dites copies of the report were also addressed to Nguyen Chea and Khieu Samphan. The report specifies these enemies as being the following: former Lonel soldiers, some former chairman of cooperatives who had served under the older smaller scale system, and the entire Chamris. Fin de citation. Sur la première erreur que vous avez retenue, à savoir vous avez confondu Khieu Samphan avec le camarade Khieu, qui était l'alias révolutionnaire de Sun Sen. Vous avez indiqué que tout le monde pouvait faire une erreur sur la deuxième partie, à savoir que le télégramme, et vous l'avez en Khmer sous les yeux, et d'ailleurs c'est une question que je voulais vous poser. Nous sommes d'accord que lorsque vous consultiez les télégrammes, les documents du peuple, vous les consultiez en Khmer. Je vous remercie de la question. ឯកសារជាភាសាខ្មែរមែនទេ បាទ បើនិយាយពីការស្រាវជ្រាវចាប់ដើមស្រាវជ្រាវហើយនឹងការចាប់ដើមសរសេរគឺធ្វើជាភាសាខ្មែរ D'accord, donc nous, ce que nous pouvons avoir au niveau de ce tribunal, à savoir des problèmes de traduction, où, a priori, vous n'aviez pas ce problème en consultant le télégramme. Là aussi, ça devient une question de méthodologie. Donc, vous avez effectué une erreur sur le nom d'un dirigeant du Cambodia démocratique qui était mentionné dans ce document. Est-ce que, dans le cadre de votre travail de recherche et de la consultation des documents, vous avez fait une recherche en amont sur qui était qui et quels étaient les alias révolutionnaires de chacun. Et surtout, de façon plus générale, est-ce que vous avez le souvenir qu'effectivement, ce Cambodia démocratique ont fonctionné beaucoup par
alias ប្រធានលោកដឹងហើយថាការសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺតែងតែមានលេខកូដឈ្មោះជាលេខកូដលេខសម្ងាត់ឬក៏ឈ្មោះបដិវត្តន៍ជាដើមឈ្មោះសម្ងាត់ជាដើមឈ្មោះហៅក្រៅ បាទខ្ញុំដោយខ្ញុំបានជម្រាបអង្គសាវនាការការពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាភាពខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះកាលខ្ញុំសរសេរសៀវភៅខ្ញុំមិនទាន់បានឯកសារអានឲ្យច្រើនហើយក៏មិនទាន់បានជួបសាក់សីច្រើនមែនតើដែរដល់ពេលបន្ទាប់ពីសៀវភៅរបស់ពុំផ្សាយ ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានឈ្មោះសមមិត្តខៀវហើយគិតថាខៀវសំផនអានេះជាការខ្វះខាតហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញ Ça, ça pouvait correspondre à une méconnaissance des alias révolutionnaires, des leaders du Kampuchea démocratique. En ce qui concerne l'introduction de la mention The Entire Cham Race, qui correspond également aussi à votre position que je ne vais pas aborder ici puisque c'est à la Chambre de déterminer la question du génocide ou pas, mais cette erreur n'est pas une erreur de traduction, donc puisque vous travaillez sur le document en Khmer, c'est quand même un point important de la démonstration dans votre ouvrage. Et est-ce que le fait de déformer les documents que vous avez consultés, puisque ça en change complètement le sens. Est-ce que ce n'est pas une erreur qui est due au fait que, parce que vous êtes de la communauté Cham et parce que vous aviez, comme peuvent l'avoir voulu, un besoin de justice, d'ailleurs vous avez expliqué que votre ouvrage au Kubas pouvait s'apparenter à ça, justice, punition. Est-ce que cela ne vous a pas empêché d'avoir une analyse objective et rigoureuse des documents que vous avez étudiés pour rédiger votre ouvrage? ចង់សួរលោកថាតើនៅពេលដែលលោកខ្លួនឯងជាជនជាតិចាមហើយសហគមន៍ចាមទាំងមូលចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យទៅខាងបាននេះគឺมันមានភាពលំអៀងទេឬដើម្បីសរសេរសភៅរបស់លោក I would just ask for some clarification of the question. It's a very long question. Council has stated that the witness grossly distorted what's written on the telegram. I think what she's referring to is that the telegram talks about the enemies being former soldiers in combination with the Cham. In the book written by the witness, it talks about the entire Cham race. There's no qualification of the Cham that it's referring to any particular parts of the Cham race or individuals. So I just think the question includes an assumption. She could ask the witness how he understands the words, the Cham. And it's, furthermore, it's very argumentative that the question is phrased. Je dois dire que je suis tenu d'une objection, une observation de l'observation de mon procureur, parce que je vais commencer par là. Je vais lire le fameux document E3-511 dans ce passage de l'ouvrage de M. Ysa Osman. Il commente
document qui a priori est le télégramme 3/511 et qui est cité en note de bas de page de l'extrait que j'ai cité. Et il dit « the report specifies », donc il parle de ce télégramme. Il dit en anglais, excusez-moi, « the report specifies » this enemy as being the following former Lonol soldiers, some former chairman of cooperatives were served under the older, smaller scale system, and the entire Cham race. Et maintenant, je vais lire l'extrait E3/511 de ce document donc qui est cité en note de bas de page qui correspond au commentaire de M. Ysa Osman dans son ouvrage. Voilà ce qui est dit. D'abord, on parle spécifiquement de la zone nord. Et voilà ce qui est dit au petit 1. Je vais lire lentement, mais je pense que M. Ousmane, le document sous les yeux. La situation générale des ennemis à la zone nord tout entière, les ennemis n'ont pas encore mené d'action d'envergure qui a affecté la population ou le mouvement de production générale. Bref, la situation est stable. Cependant, dans le même temps, ils ont fait propager des rumeurs pour faire croire que la révolution est étendue, pour discréditer la coopérative et la construction du nouveau système de digues, et pour faire croire à l'existence d'une famine. Et là, je continue ma citation, mais plus spécifiquement, on parle du district de Khmer. En réalité, il y avait des troubles dans le district de Khmer. Les ennemis étaient des anciens soldats, ainsi que des chams et des anciens chefs de coopératives, ont affiché les photos et le communiqué du 18 mars 70 de ce nol sur les troncs d'arbres. Près du village de Krampang Krabo, district de Chankarle. Fin de citation. Donc, dans ce passage, et ça me permet de rebondir, M. Ysa Osman, très clairement, on parle de faits qui se déroulent dans la zone nord, on parle spécifiquement du district de Chankarle, et dans le cadre du district de Chankarle, on parle d'anciens soldats, de cham et d'anciens chefs de coopératives qui ont affiché des photos et un communiqué du 18 mars 70. Ma question, c'est comment est-ce que vous avez pu, de ce passage, de ce document qui parle spécifique de certains chams, d'un certain ancien soldat et d'anciens chefs de coopératives qui ont effectué un certain nombre de choses qui sont reprochées à l'auteur du télégramme. Comment est-ce que vous passez de ça à the entire cham race, à l'ensemble de la race cham? Telegram này tụ lệnh này lục tiền nhận dây tha ca này dây này cứ ca này dây đau tè lư pu sa chạm chẳng mù tè mặt đòn tại tôi từ vĩnh khơi miền là tây tạ vô thi miền là tây tạ và thiên xã co ở giữa đảo này lục vẫn vô trong mạnh đấy bạn lục sấy nhom cái vùng đầm mưa ai giả đảo đã sẽ chia bị giả mày này trong chùm nội đa là dạy bì rừng chàm này cứ giờ xây thả bụi ạc mắng tại hiên chá ruộng xóm chùm mùi bụi chàm con tay mình bàn đạ thả chàm mình bàn đạ thả bụi chàm nóng bụi chàm bộ phết nà tể chẳng hơi bàn chỉ cả bọ prái mình cả dù cho lòng bực tích vì bố đã thả bà biết the entire cham race. Tại bởi dân này dễ thả bỏ bài khó khó với mình khó đại. Vì bố entire cham race này cứ xử mẹp cham nơi nóng sọc chùm ca lử. Tôi lấy bà chạy cho bà hơi thả sọc chùm ca lử. Hơi nơi nóng dân bị phía kịch từ lưu ánh sát đám chìa bà giác mai này cứ đã thả bộ cham nơi sọc chùm ca lử. Mình men xâm đạo thả ta bộ cham
phết này phụ chàm bà phết nó tôi cứ xung đáng thả phụ chàm bà này thả chàm thì ớt đã nơi sọc chung ca lời toute la communauté de Cham de Chamcarleu si c'était ça votre interprétation qui, encore une fois vous êtes tout à fait personnel c'est de toute façon pas un tailleur et je reprends encore une fois le document 3/511 lorsque l'on précise de quels ennemis il s'agit, on ne parle pas de la majorité des anciens soldats, de l'ensemble des Chams ou de l'ensemble des anciens chefs des coopératives. Il est dit, et je recite le document, les ennemis étaient des anciens soldats ainsi que des Chams et des anciens chefs de coopératives. Il y a une erreur de traduction, qui ont affiché les photos et le communiqué du 18 mars 70 de ce NOL sur les troncs d'arbres près du village de Trapin-Crabo, district de Chamcarleu. Donc, lorsque l'on lit l'intégralité de ce document et ce passage en particulier, il est clair qu'on est en train de parler de gens qui ont posé certains actes, affichage de photos et d'un communiqué de 70 et non pas de l'intégralité de la race Cham. Donc, me dire que ça peut être un problème de ça a pu conduire à un problème de traduction. Vous qui avez travaillé directement sur le Khmer, est-ce que en sortant non seulement cette partie Cham du contexte, vous n'avez pas largement extrapolé par rapport à ce qu'il dit dans ce télégramme? ពូចសាចាមទាំងមូលណាតាមិនតែនទៅសំនួរនេះវាលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានពីព្រោះភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ អត្តន័យពីរហ្នឹងតើបកត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានបានតើហើយណាមួយទៀតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះវាអត់មាននៅក្នុងអភន្តរសញ្ញាទេដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងកាលណាសរសេរអ្វីមួយយើងប្រើអភន្តរសញ្ញាហើយគឺបានន័យថាយើងខ្វូតទាំងស្រុង សំដីមនុស្សដែលនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងសរសេរអញ្ចឹងឯកសាររបៀបនេះកាលណាយើងដាក់ថាយើងខ្វូតបានពីឯកសារហ្នឹងនៅក្នុងអភ័ត្រសញ្ញាឬក៏យើងដាក់ខ្វូតពីហ្នឹងមកគឺយើងសរសេរទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការវិភាគមួយដែលខ្ញុំវិភាគគិតថាពួកចាមគឺសំដៅទៅលើចាមគឺចាមទាំងស្រុងដែលរស់នៅក្នុង ស្រុកចំការលើនេះអញ្ចឹងនិយាយខាងដើមដូចខាងដើមវិញថាខ្ញុំលើសពីសមត្ថភាពដែលថាតើការបកប្រែនេះខុសឬក៏ត្រូវលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាន En fait nous avons auprès de ce tribunal, et vous le savez, un service de traduction qui a déjà procédé à la révision de ce document. Donc nous avons le document dans les trois langues. La question, c'était un peu plus précis que ça. Je vous ai cité l'exemple, l'extrait plutôt, qui est à la base de votre analyse. Donc je comprends de votre réponse que de l'extrait que j'ai lu, qui parle spécifiquement d'anciens soldats de Cham et d'anciens chefs de coopératives ayant posé certains actes qui leur sont reprochés dans le cadre de ce télégramme. Vous avez estimé que vous pouviez indiquer, et vous n'avez pas indiqué dans votre ouvrage l'intégralité des Cham de Chamcarleu, vous avez dit « the entire Cham race », l'ensemble de la race Cham. Donc, ça ne correspond même pas à l'analyse que vous faites aujourd'hui. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que
vous lisez des documents d'époque à la lumière de peut-être ce que vous avez envie de démontrer et non pas en fonction du caractère objectif de ce que vous lisez sur les documents. សាច់ឆានុមាតទេគឺថាលោកបកស្រាអានទៅលោកបកស្រាយតាមការយល់ឃើញរបស់លោកតាមការចង់បានរបស់លោកអញ្ចឹងមែនទេមែនទេលោកស្រីប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយស្អីក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺយោងទៅលើឯកសារយោងទៅលើមនុស្សដែលប្រាប់ខ្ញុំហើយការបកប្រែឬក៏ការសន្និដ្ឋានគឺអាស្រ័យទៅតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះមានន័យចេះអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបែបលក្ខណៈហ្នឹងមកparce que le temps presse je voudrais avancer sur un autre point nous avons entenduSaleh Samat devant cette chambre et vous avez dans votre ouvrage The Cham Rebellion évoqué son témoignage nous avons aussi un extrait de votre ouvrage The Cham Rebellion document E3-923ERN en français 00286658ERN en Khmer 00275387 ERN en anglais 00218542 Je pense que vous pouvez trouver l'extrait en question à la cote 4 de l'accessoire numéro 2 celui que je vous ai remis aujourd'huiEt voilà ce qui est indiqué dans cet ouvrage. Vous parlez de Saleh Samat et vous dites il indique que fin 78, il a conduit une moto pour le secrétaire du district qui ne savait pas rouler en moto pour l'emmener à une réunion dans le district de Sandang de Kampong Thom. Étant donné que Saleh n'était pas censé participer à la réunion, il a attendu à l'extérieur. Il a déclaré que pendant qu'il attendait, il pouvait voir les secrétaires de district des zones orientales et centrales dans la salle de réunion. Il pouvait aussi entendre ce qu'ils se disaient durant la réunion, car ils utilisaient un système de haut-parleurs à l'intérieur. À un moment donné, pendant la réunion, Kepok, qui était secrétaire de la zone centrale, dont les représentants venaient tout juste de mettre la main sur la zone orientale, dans le cadre du violent prise de pouvoir, a demandé au secrétaire du district de Khmer quel pourcentage du plan défini par le parti a-t-on réalisé. Et Saleh déclare que Kepok a ensuite précisé que vous devez d'abord détruire les cham des forces mobiles qui sont tous des traîtres. Fin de citation. Dans le cadre de sa comparution à l'audience, un certain nombre de questions ont été posées à Saleh Samat. Et voilà la question qui lui est posée à l'audience du 9 mars 2016. Un petit peu après, enfin un petit peu avant 13h36. Bien. C'est la question de Monsieur le juge Lavergne. Est-ce que les personnes vietnamiennes ont été spécialement visées? À votre souvenir, si vous ne vous souvenez pas, vous dites simplement « je ne m'en souviens pas ». Sa réponse a été la suivante. En fait, il avait dit que les cadres de la zone Est étaient censés avoir un esprit vietnamien sur des corps khmer. Et d'autres personnes étaient accusées d'être des bandits.
Monsieur, je l'avais en cours suisse. Est-ce qu'à un moment, au cours de la réunion, il a été spécifiquement question des Cham et qu'est-ce qui a été dit par rapport aux Cham? Réponse de Saleh Samad. À l'époque, l'on n'avait pas débattu des Cham, car les Cham étaient déportés. Ils n'avaient parlé que des cadres de la zone Est à l'époque. Ensuite, il poursuit un petit peu après 13h40. La question qui lui est posée est la suivante. Le plan était d'éliminer tous les membres des unités mobiles ou tous les CHAM qui faisaient partie des unités mobiles? Sa réponse a été la suivante. Tous les membres des unités mobiles devaient faire l'objet de purges, devaient être éliminés. Ensuite, question suivante. Et est-ce qu'à un moment quelconque, au cours de la réunion, il y a eu des questions qui ont été posées spécifiquement en ce qui concerne les Cham? Réponse. Des questions ont été posées sur les Cham, les Khmer, et le plan consistait à purger des cadres de la zone Est. Question. Donc, il n'y a pas eu mention d'un plan qui aurait visé plus spécifiquement les Cham que d'autres catégories de personnes considérées comme étant des traîtres. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Sa réponse est la suivante. Oui, c'est exact. Tous les traîtres devaient être exécutés. Ensuite, pour être complet, il y a un certain nombre de discussions lors de mon interrogatoire sur ce qu'il pouvait voir, pas voir. Donc, il y a des petites différences avec le récit tel que vous le rapportez, mais ce n'est pas très important. En revanche, la question, après lui avoir cité le passage de votre ouvrage, ma question a été la suivante, et c'est le 9 mars 2016, un petit peu avant 16h02 et 25 secondes. Ma question est de savoir, monsieur le témoin, est-ce que vous avez évoqué ce point? Est-ce que vous avez dit cela à monsieur Ysa Osman lorsqu'il vous a interrogé, à savoir que tout le monde faisait l'objet d'écrasement, quelle que soit sa race, Khmer, Cham ou Chinoise? Et voilà sa réponse. Je ne me souviens pas de la réponse que j'avais donnée à l'époque. Personne n'était épargné à l'époque. La vie de tous était menacée. Si l'on trahissait l'encart, on risquait d'être tué, que l'on soit Cham ou Khmer. Ceux qui avaient trahi l'encart, notamment ceux venant de la zone Est, étaient exécutés. Fin de citation. C'est longue citation pour que vous ayez en tête ce que Saleh Samad a dit à l'audience et savoir est-ce que c'est bien ce qu'il vous avait dit à l'époque de votre entretien, parce que lui, dans le cadre de sa réponse à l'audience, il indique qu'il n'y avait pas de... il n'avait pas entendu, en tout cas au sortir de cette réunion, de choses spécifiques en rapport avec les Cham, mais de choses générales en rapport avec toutes les personnes qui avaient trahi l'encart. Est-ce que vous pouvez commenter ce point? Est-ce que vous avez une réaction particulière sur ce que Saleh Samad a dit à l'audience? ចេញតែសំណួរ២-៣ម៉ាត់ដបងខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីចង់សួរអីទៅហើយមិនបាច់វែងឆ្ងាយចឹងពេកទេសាឡេះអាម៉ាត់នេះខ្ញុំពិតជាបានសម្ភាសន៍ហើយអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំមានខ្សែអាចថតជាសម្លេងទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ សាច់រឿងរបស់គាត់ត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដូចមានផ្ដល់ជូនមកខ្ញុំនេះមានអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងម៉ៃឌឹកសិនគាត់បានចុះទៅជួបសាឡេះអាម៉ាត់ហើយជាមួយខ្ញុំហើយគាត់បានអានអ្វីដែលខ្ញុំសរសេររឿងរ៉ាវរបស់សាឡេះអាម៉ាត់ហ្នឹងគាត់
ផ្តិតមេដាយទទួលស្គាល់ទៀតថានេះគាត់ពិតជាបាននិយាយប្រាប់លោកអ៊ីសាអូស្មានចឹងមែនពេលដែលលោកសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំផ្តិតមេដាយហើយនេះមានស្នាមមេដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែមកដល់ទូឡាក្តីខ្មែរក្រហមសួរគាត់អត់បាននិយាយពីរឿងនឹងឬក៏គាត់ភ្លេចការចងចាំរបស់គាត់ភ្លេចភ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជាបញ្ហារបស់សាក្សីបញ្ហាការចងចាំរបស់សាក្សីមិនមែនបញ្ហាខ្ញុំយកសាច់រឿងគាត់និយាយផ្សេងយកមកសរសេរផ្សេងទេEn fait, sur le passage où il dit qu'il ne se souvenait pas, il parle de, il ne se souvient pas d'avoir, de ce qu'il vous avait dit à vous, mais comme vous l'avez constaté, la question lui a été. I apologize. Your Honor, I think since counsel is putting, I believe she's saying a fair reading of Saleh Ahmad's testimony, I think it would be important to include the following answer.គឺគួរតែរត់លើចម្លើយដោយខាងក្រោមទៅដែលបានឆ្លើយជូនគាត់បានឆ្លើយជូន 43:15 on the same day ខ្ញុំស្ដាប់ឮតាមមីក្រូ needed to implement the policy of the Ankar regarding the smashing of the cham and some of them answered that they had implemented 50% of the policies some said they had implemented 80% of the policy because Ankar gave the instruction to smash 100% of the cham and the group that needed to be smashed needed to be the ones who betray the Ankar regardless of their ethnicity whether cham or Khmer I think that is important to include in a fair reading of Saleh Ahmad's testimony Il n'y a pas de problème sur l'extrait que vient de lire Monsieur le coprocureur, puisque la conclusion est la même que celle que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir que le témoin indiquait que la question n'était pas de savoir si on était Cham ou si on était Khmer, mais si on avait trahi l'Ankar. Donc j'en reviens à ma question de départ, à savoir est-ce que... Vous m'avez répondu sur le fait que c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Donc ma question est de savoir, est-ce que lorsque vous l'avez interrogé uniquement sur les Cham ou est-ce que vous l'avez interrogé sur l'ensemble de ce qui avait pu être dit sur toutes les composantes ethniques du Cambodia démocratique ? បាទខ្ញុំសំភារទូទៅអ្វីដែលគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវច្រើនអំពីតកតងពីរឿងចាមអេ donc j'en reviens à la question que je posais antérieurement à savoir est-ce que dans la manière dont vous traitez les informations et donc peut-être l'angle avec lequel vous effectuez vos recherches ne vous ampute pas d'un cadre de réflexion à savoir si vous vous interrogez uniquement sur les Cham en ne sachant pas ce qui avait pu être dit également à propos de l'extérieur d'autres communautés ou des personnes en général qui ont trahi est-ce que cela ne teinte pas vos conclusions en ce qui concerne le fait qu'il y avait une politique spécifiquement à l'encontre des Cham alors que ça pouvait être une spécifique politique ou quelque chose qui était considéré enfin les Cham à ce moment-là étaient inclus dans ceux qui trahissaient le l'Ankar était poursuivi comme pouvait être poursuivi ou recherché et considéré comme des ennemis comme les Khmer qui trahissaient l'Ankar comme n'importe qui trahissait l'Ankar comme le témoin l'a indiqué à l'audience.
ដោយខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់សំដៅគាត់និយាយពីរឿងចាមគាត់មិនបាននិយាយដូចដែលគាត់មកបំភ្លឺនៅអង្គសាវនាងកាលនេះទេអញ្ចឹងហើយបានថាត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺយោងទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ Et c'est précisément ma question, le fait qu'ils disent, qu'ils parlent de façon plus générale devant la Chambre, dans le cadre d'une audience solennelle, etc. Est-ce que ce n'est pas en rapport avec la manière dont vous posiez les questions et l'angle que vous aviez dans le cadre de l'entretien que vous avez eu avec lui ? សាក់សៃដែលផ្ដាល់ចម្លើយក៏អាស្រ័យទៅលើអ្នកសួរដែរសម្រាប់ខ្ញុំសួរគាត់មិនមែនសួរគាត់ថាតើគេសម្រាប់ចាមយ៉ាងម៉េចទេសួរគាត់ដូចករណីដែលគាត់ឌុបម៉ូតូជូនគណៈស្រុកទៅប្រជុំអញ្ចឹងសួរថាគាត់សួរគាត់ថាតើគាត់ឮអីក្នុងពេលប្រជុំ មិនមែនសួរគាត់ថាតើឃើញគេនិយាយពីរឿងចាមឬក៏សួរថាតើឬគេនិយាយថាសម្រាប់ចាមក្នុងពេលប្រជុំទេសួរគាត់ថាតើគាត់បានឮអ្វីហើយពេលហ្នឹងគាត់រៀបរាប់ថាបានឮអ្វីខ្លះហើយមានចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនៅរឿងចាមនេះដែរសម្រាប់ចាមសម្រាប់ចាមនេះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានដកស្រង់ ចេញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសខ្ញុំនៅតែរក្សាថាអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយសាក្សីខ្ញុំមិនបន្ថែមខ្ញុំមិនបន្ថយទេគឺដាក់គុតដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើគឺត្រឹមតែម្ដង Monsieur le Président, je vois que le temps avance et je n'ai pas fini mon interrogatoire. Je vais essayer d'avancer du mieux que je peux. Vous avez interrogé également Monsieur Sos-Cameret à plusieurs reprises. Vous avez même indiqué dans votre ouvrage Ukuba, document E3-18-22, à l'ERN en anglais 00078562 que vous avez eu cette interview avec monsieur Sos-Cameret de 99 à 2002 et vous le mentionnez également dans vos remerciements dans vos œufs d'ouvrage dans vos deux ouvrages pardon à la fois dans Okuba à l'ERN 00078441 et à l'ERN pour The Cham Rebellion, document 23-2653, ERN 00219059. Et vous dites précisément, je cite en anglais, c'est l'avant-dernier paragraphe. Moreover, I would like to acknowledge the support of Ukna Sos-Cameret, Chairman of the Highest Council for Islamic Religious Affairs in Cambodia, and His Excellency Mat Lee, a representative of Kampong Cham and Supreme Personal Advisor to the King, who passed away in 2004. Their introductions helped me gain the trust of many Cham's Muslim communities. Ma question
Et la suivante, est-ce que je dois comprendre que vos entretiens avec différents membres de la communauté ont été facilités par ces deux personnes? បាទត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្រួលក្នុងន័យនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួនដែលខ្ញុំសម្ភាសហ្នឹងມັນប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏មិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេងចង់ជួបអ្នកណាទៅជួបផ្ទាល់ទេមុននឹងទៅជួបមនុស្សនៅក្នុងភូមិ តែតែទៅជួបជាមួយប្រធានភូមិឬក៏ខាងអ៊ីស្លាមនៅជួបជាមួយហាកឹមហើយលោកម៉ាត់លីហើយលោកសុខកំរៃនេះដែលគេទទួលស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរពិសេសស្រុកកំរៃគាត់ជាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់បានសរសេរសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំមកច្បាប់ឲ្យខ្ញុំកាន់ទៅថា សបត់នេះគឺគាត់ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្លាមតាមភូមិហ្នឹងសហការជាមួយខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងទៅសម្ភាសខ្ញុំទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានភូមិជាហកឹមនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបង្ហាញឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តគាត់សហការថាខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងពីសុខកំរៃហើយពីម៉ាត់លី Monsieur le Président, je n'ai pas terminé mon interrogatoire. C'est exactement ce que je disais hier. Il m'aurait fallu au moins trois sessions, là, avec deux sessions et demie à cause des débats d'hier. Je n'ai pas terminé mon interrogatoire, donc je demande à ce qu'il puisse se poursuivre cet après-midi pour que je puisse boucler. Sachant que j'ai déjà beaucoup éliminé de sujets que je voulais aborder avec l'expert. បាទអរគុណហើយអង្គជំរះសម្រេចថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាកាត់ដោយកាត់បន្ថយភាគីទាំងពីរទៀតពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់សួរនិងដល់សក្តិកម្មអ្នកជំនាញរូបនេះវាច្រើនជាអតិបរមាពេកទៅហើយបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយតែដោយថាមេធាវីកាលពីក្តីនួនជាមានបំណងធ្វើធារណាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាកសំណាកការដែលអង្គជំរះគ្រោងនឹងធ្វើ សំណាកាស្ដាប់សហគមន៍សហស័យដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអង្គហេតុចាត់ប្រកັນដែលនឹងត្រូវធ្វើសំណាកាសំណាកក្រោយនឹងពី3សប្ដាហ៍បន្តទៀតអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់នួនជាឬបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យមានភាពប្រកាសបញ្ជាថាសំណាកានៅរុស្ស៊ីនេះអាចនឹងចប់ដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះ ផ្ដល់ពេលវេលា50នាទីសម្រាប់ភាគីសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមេធាវីនៅមុខនិង50នាទីសម្រាប់សហមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមក្នុងការសួរនិងដល់សហស័យអ្នកជំនាញអ៊ីសាអូស្មានបញ្ចប់នៅរុស្ស៊ីនេះហើយក្រោយពេលបញ្ចប់អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីលើសំណើសុំរបស់នួនជាឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គមេបកាស សម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1រសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបានបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់សក្តិសម្រាប់នៅបន្ទុករងចាំអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិដល់សក្តិសិទ្ធិជំនាញរូបនេះនៅក្នុងម្លងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់នៃកាលៃសហជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថែកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ធម្មការនេះនៅវេលារស
ក៏បានរយៈទីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកគឺសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអបតកោវិញនៅត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនៅមកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរាជធានីនេះបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ